Non più dry farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a doncino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a doncino d'amor. Hola mis amigos, bonjour à tout le monde et au public de Bobo qui ferait mieux de s'occuper de la misère dans le monde et des gens qui se prennent pour des lions et qui envahissent toutes les îles désertes de la planète plutôt que de venir perdre leur temps à écouter cette émission. Et les carottes, vous y pensez aux carottes? Dans une étude des Fatal Picard présentée sous la forme d'une chanson appelée « C'est la vie cuit-cuit », ces chercheurs nous apprennent que les carottes peuvent parcourir des milliers de kilomètres pour retrouver leur terrier ou leur maître en semant derrière elles des petites crottes. Vous avez un cœur, oui ou merde? Bon, aujourd'hui nous allons parler amour. Aujourd'hui, nous allons parler séduction. Aujourd'hui, nous allons parler esclaves sexuels. Bon, maintenant, j'attends une minute de plus pour que viennent s'agglutiner tous les gens qui sont intéressés par le comportement animal sans en aucune façon que la possibilité d'un contenu un tant soit peu graveleux soit l'élément déclencheur de leur présence. Nous allons parler des techniques de séduction chez des oiseaux sud-américains, les manakins. Alors, il est inutile de prendre des notes pour tenter de reproduire leur technique de séduction, car 1, du point de vue de la majorité des mâles, elle est horriblement inefficace, et 2, parce qu'il ne faut pas voler les biens d'autrui. Et de toute façon, vous ne pourriez pas en profiter, car bien manakin ne profite jamais. Chez ces espèces, les relations sociales entre les mâles et les femelles se limitent au strict minimum. Les femelles sont indépendantes, mais à leur genre, très indépendantes. À l'éclosion, les petits des deux sexes vont rester avec la mère jusqu'à émancipation. Ensuite, les femelles vont mener une vie solitaire sans jamais nouer de relation avec d'autres femelles adultes et elles iront voir les mâles quelques minutes par an durant la période de reproduction, guère plus. Le reste de leur temps, elles mangent, bâtissent le nid, couvent les œufs et lèvent les gosses. Dans ces sociétés polygynes, les femelles s'occupent de tout. Du coup, on pourrait se dire qu'elles sont vraiment perdantes dans l'affaire vu que finalement, les mâles n'ont qu'à mettre un petit coup en passant et retourner au PMU avec les potes. Ouais, mais ça se passe pas comme ça. Allons voir du côté des mâles, justement. Eux, une fois émancipés de la mère, ils ne voient quasiment plus jamais de femelles, à part lors de visites exceptionnelles d'une ou deux minutes sur leur zone de séduction durant les périodes de reproduction. En revanche, là où chez la plupart des espèces, les mâles sont exclusivement des compétiteurs sexuels, souvent très agressifs entre eux, bah chez les manakins, et spécialement chez les manakins à longue queue, l'histoire est extrêmement différente. Les mâles manakins forment des LEK, L-E-K et S quand il y en a plusieurs. Les LEK existent chez des groupes d'animaux très différents, insectes, mammifères, poissons, mais sont surtout connus chez les oiseaux. Un LEK est une zone de parade partagée par plusieurs mâles. Chaque mâle défend un territoire contre les autres mâles à l'intérieur du LEK. Les mâles sont donc en compétition dans une zone restreinte, ce qui finalement provoque un grand nombre d'interactions entre eux. Alors quel intérêt à ça? Pour eux, pas grand chose. En fait, ça arrange surtout les femelles qui n'ont pas à faire toutes les boutiques dans des villes différentes puisqu'elles peuvent aller au supermarché. En gros, c'est adopte un mec, quoi. Au début, il est probable que les femelles avaient un biais pour les parades de mâles qui étaient rapprochés dans l'espace et le temps, ce qui a fini par produire les LEK. Les mâles ont donc très peu de relations avec les femelles et pour les plus malheureux, jamais aucune femelle ne s'arrêtera à observer leur démonstration artistique ni ne leur accordera leur faveur. De toute leur vie. De toute leur vie. Comme les curés. Non, je déconne, pas comme les curés. Par conséquent, la quasi-totalité de leurs relations se feront avec les autres mâles. J'entends des relations platoniques. Hein. Chez les manakins, les mâles peuvent créer des liens extrêmement durables sur des années et développer même des parades synchronisées en duo qui ne présentent jamais aux femelles. Ces créations artistiques qu'ils peaufinent constamment sont uniquement pour eux. C'est juste leur truc, entre eux, comme ça. C'est probablement quelque chose du type soirée PlayStation entre potes, mais à haut niveau. C'est très étonnant de voir ça, et c'est assez exceptionnel dans le règne animal. Autant les parades synchronisées entre les mâles que les soirées PlayStation, d'ailleurs. Les femelles, quant à elles, attendent des démonstrations et des chants extrêmement précis. Elles sont très dures en affaire, et les mâles doivent se plier à leur bon vouloir. Chez nos manakins à longue queue, c'est encore pire. Normalement, chaque mâle défend son territoire dans le LEK et parade seul jusqu'à ce qu'une femelle daigne observer sa démonstration. Démonstration qui peut être d'une complexité affolante avec des sous-éléments, enfin bon, c'est de la folie. Mais les femelles manakines à longue queue, elles s'en tapent royalement des démonstrations d'un mâle en particulier. Elles aiment les trucs de groupe. Elles veulent que les mâles leur produisent des spectacles en coordination les uns avec les autres. Par conséquent, les mâles manakines à longue queue ne défendent pas de territoire individuellement, mais en groupe. Ils se divisent en équipes, avec un mâle alpha, un bêta, et l'équipe peut aller jusqu'à 5 membres. Souvent, les jeunes mâles se retrouvent à des rôles de remplaçants pendant leurs premières années. Alors oui, années, parce qu'il se faut souvent des années pour pouvoir obtenir une place stable dans un groupe et espérer ensuite monter dans les rangs, en général par le décès des mâles hiérarchiquement supérieurs, et ce sont des oiseaux qui peuvent vivre 10, 15 ans, 20 ans selon les espèces. Avant ça, que pouille, pas de love story, même pas l'espoir d'en avoir une. Comme les curés. Ces mâles passent la plupart de leur temps à travailler la précision et la synchronisation de leurs chants et de leurs exhibitions. Ouais, ok, j'arrête. Autant vous dire qu'après 10 ans de travail,
le résultat est très impressionnant et qu'on ne doit probablement pas observer le tiers des choses importantes avec notre regard humain, largement ignorant des belles choses aux yeux des dames mannequins. Par exemple, pour attirer les femelles, les mâles doivent se percher haut et entonner des chants synchronisés. Il faut souvent des années d'entraînement avant de réussir à faire venir une femelle. Je suis en train de dire que pendant des années, ces équipes s'entraînent encore et encore, et rien, rien du tout, pas de résultat. Les plus aguerris parviendront à faire venir une femelle sur leur branche au sein de leur territoire dans le lake. Là, les mâles se mettent en ligne face à la femelle. Le plus proche d'elle se projette en l'air, étend ses ailes et hérisse la couronne de plumes rouges sur sa tête. Là, il produit un son à deux notes et termine son vol à l'arrière de la file des mâles. Le second dans la série s'avance et répète la même démonstration. Tout doit être calibré à la perfection. La femelle peut partir à n'importe quel instant, rien ne la retient. C'est elle qui contrôle et qui décide si ce qu'elle voit lui plaît. Si c'est pas le cas, elle peut partir après un ou deux tours de parade. Si les mâles sont très compétents, elle peut rester regarder plus de 200 répétitions. Ce qui doit être horriblement épuisant pour les prétendants. Et alors je vous laisse imaginer l'ennui mortel des films d'amour chez les mannequins. Hein. Si la femelle est intéressée, ce qui est extrêmement rare, je le souligne encore, le mâle dominant de l'équipe va émettre un son pour disperser les autres membres du groupe, continuer une parade pour la femelle et éventuellement avoir la chance de connaître la couleur de ses sous-vêtements. Alors autant vous dire, quand vous êtes un mannequin à longue queue, vous avez intérêt à ne pas avoir une libido trop développée. Hein. Il faut déjà trouver un groupe où vous êtes assez compétent pour être accepté, y rester pour devenir mâle alpha, et être au sein d'un groupe suffisamment expérimenté pour qu'il puisse attirer les femelles et qu'il arrive à en garder une face à la compétition des autres équipes. Donc on l'aura bien compris, parmi tous les mâles, seule une fraction infime d'entre eux sera élue par les femelles au cours de leur vie. On pourrait se demander pourquoi les mâles cèdent à ce genre d'exigence. Ben c'est simple, ils n'ont pas le choix. Quand vous avez un cloaque, au lieu d'un pénis, il n'y a généralement pas de pénétration, et donc les chances de fertilisation par relation forcée sont extrêmement faibles. Donc si vous ne voulez pas entrer dans une équipe ou dans un lac, eh bien vous faites au passage votre célibat et vous resterez avec votre cloaque en bandoulière au bord de la route. Marche ou crève, mec. Par conséquent, les mâles doivent se plier au choix des femelles, ce qui peut conduire à une course à l'armement de séduction, entraînant des parades extravagantes et des constructions incroyables, typiquement comme celle des oiseaux jardiniers, avec leur berceau. Alors je parle du choix des femelles, car oui, il est probable que les femelles choisissent selon des goûts personnels et arbitraires. Alors la théorie classique veut que les femelles animales, en général, préfèrent des caractéristiques chez un mâle, chez un futur partenaire, parce qu'elles sont des indicateurs fiables de la qualité de ce futur partenaire. La réalité semble bien plus complexe, et le spécialiste des oiseaux Richard Prom, c'est l'un des découvreurs des plumes chez les dinosaures notamment, estime que les préférences des femelles sont probablement aujourd'hui principalement arbitraires. Par là, on entend que ce sont leurs préférences subjectives, comme les nôtres en matière d'art ou de choix de partenaire, et non une réaction type stimulus indicateur de qualité, réponse de reproduction. Ce que l'on observe chez ces oiseaux, c'est finalement une modification en profondeur de la société des mâles qui les fait passer d'ennemis et de compétiteurs sexuels à une équipe soudée, sociable et dont l'existence est vouée à parfaire leur art afin de réussir à attirer les critiques d'art les plus difficiles du règne animal, leurs femelles. En somme, la morale des ladies mannequins pourrait être « les mecs, faites l'amour, pas la guerre ». Et je vous propose à toutes mes auditrices, pour pacifier une humanité qui en aurait bien besoin, d'essayer de suivre la voie tracée par les femelles mannequins et de n'accepter sous vos draps que les mâles les plus coopératifs et les moins agressifs. Merci.